Et salut tout le monde, c'est Superflu, comment vous allez? Moi ça va super bien, on se retrouve sur GTA Online pour une nouvelle vidéo. Donc c'est un mode basket. Donc je sais pas si vous connaissez, j'ai un mode basket, mais en fait c'est un mode rival à peu près, je crois, c'est si je me trompe pas. Non, c'est une extermination, désolé, cherchez le nom. En fait, moi je l'ai déjà fait cette partie, donc je la connais un peu. Il y a plusieurs équipes, il y a deux équipes. Et il y a des voitures, donc T20, et en fait il y a des sauts, il faut faire un saut, et en gros il faut rentrer dans le trou au milieu et récupérer des armes pour tuer les autres personnes. Vous allez voir, c'est assez cool et assez fun. Je vous conseille de faire cette activité là, extermination. Vous allez voir, c'est assez drôle et vous allez aimer, je pense, parce que voilà, c'est vraiment délirant. Et moi je l'ai déjà fait plus d'une fois. Donc c'est pour ça que je vous le conseille. Une petite technique, si vous la faites, il faut sauter du côté gauche. Je vais vous montrer, vous faites comme nous dans la vidéo. Nous on saute tout le temps du côté de gauche, parce que c'est là en fait ça va de l'eau, et c'est là où vous rentrez directement, parce que droit on a du mal à rentrer. Donc c'est côté gauche comme je fais. Donc c'est un conseil, c'est vraiment important, c'est pour vous, c'est pour vous aider à rentrer plus facilement dans le trou et récupérer des armes. Donc voilà, après il faut bien ajuster la voiture pour rentrer, bien sûr. Je voulais savoir quelle vidéo vous voulez voir d'autre que GTA sur la chaîne. J'ai posé une question dans le commentaire et on m'a répondu du Black Ops 3. Donc voilà, c'est à vous de me demander quelle. À vous de me proposer quelle vidéo vous voulez voir sur la chaîne, je sais pas, n'importe quoi. C'est à vous de me dire. Moi ça me fera super plaisir en faire en vidéo. Voilà, ça peut être vraiment cool. Donc à vous de me dire, ça me fera super plaisir. Je vous dis aussi en vite fait, je risque au mois d'avril, parce que je risque de passer l'examen de conduite. Vous allez me dire, t'as pas encore eu le permis, et je vais vous répondre non, pas encore, parce que. Le souci, c'était que il manquait comment s'appelle une personne pour faire pas l'examen, mais comment on appelle ça, non, j'ai plus le nom, vraiment désolé. Un moniteur, voilà, c'est ça, à chercher. Il manquait un moniteur pour la conduite, une personne qui était partie. Du coup ils n'ont pas trouvé du monde pour remplacer et pour faire un remplacement, et du coup bah c'était un peu juste pour la conduite. Et là du coup, comme moi j'ai arrêté les cours depuis le mois de janvier, donc c'était plus facile d'aller à l'auto-école pour et les cours en même temps, comme j'étais en stage, les cours et l'auto-école, c'était super dur. Voilà, c'est des choses qu'il faut pas faire, donc moi j'ai arrêté l'école. Alors j'ai l'école, mais c'est les cours, voilà, vous écoutez. Bref, j'en ai un peu 20 ans, bref, mais j'ai arrêté un peu parce que ça me saoulait. Donc du coup je me suis concentré pour le permis, c'était plus important le permis que les cours. Logique. Et du coup moi j'ai arrêté, et là j'ai une date d'examen, en principe ça passe, de conduite ça passe entre le 21 et le 22 avril, donc le vendredi et jeudi 22 avril. Donc pour l'instant là, quand je vous, peut-être que vous voyez peut-être cette vidéo, je sais pas quand, mais moi là, donc je vous clarifie, on est mardi 22, donc il me reste 6 heures de conduite au moment là que je vous parle. Donc 6 heures de conduite, c'est vraiment peu, donc c'est vraiment déjà pas mal. Et du coup bah si ça se passe bien, bah là je vais conduire dans la semaine et la semaine d'après jusqu'au 21, et en principe soit le 21 ou le 22, bah je passe l'examen de conduite, donc ça va être vraiment cool. Je vous ferai une vidéo une semaine, en 2-3 jours en avance, pour vous dire si c'est bien confirmé la date d'examen. Comme ça bah moi je pourrai peut-être pas faire de vidéo sur la chaîne, parce que je resterai concentré, je préfère rester concentré sur la conduite que rester concentré sur la console. Vous pouvez comprendre, voilà, je pense que vous allez tous comprendre. Et voilà, j'espère qu'il y aura des soutiens comme vous avez fait quand j'ai eu le code. Juste rappelez-vous, quand j'ai passé le code, j'ai eu beaucoup de soutien et ça m'a fait super plaisir. Donc si là il peut y avoir des soutiens, s'il y a du monde qui peut me soutenir un peu pour la conduite, ça me fera super plaisir. Donc voilà, je préfère vous préciser, vous inquiétez pas s'il n'y a pas de vidéo. De toute façon, je vous dirai que si je fais une pause, il y aura des commentaires, je pense, sur Twitter et Facebook. Mais restez
Restez connectés sur Twitter et Facebook, c'est pour ça que je vous invite tout le temps, je vous embête à me rejoindre sur Facebook et Twitter, mais c'est pas pour rien, c'est pour des raisons, parce que comme là, si je passe l'examen, bah, je pourrai pas faire une vidéo, donc logique. Donc c'est pour ça que je risque de faire une pause, et donc c'est pour ça. Donc vous inquiétez pas, c'est le mois d'avril, il n'y a pas trop de vidéos, voilà, faut pas ça pour une petite pause sur la chaîne, et donc vous inquiétez pas. C'est pour ça que je vous invite, comme d'habitude, à me rejoindre sur Twitter et Facebook. Et je voulais faire part, merci aux 1800 abonnés, donc ça fait super plaisir que je vois tous les jours. Je vais sur ma chaîne YouTube, je vois qu'on passe de 1090, après 1790, après on est à 1799, ça fait super plaisir. Du coup, ça fait super plaisir, ça fait voir que les vidéos vous plaisent. C'est un peu dommage, j'ai pas beaucoup de vues ni de commentaires en vidéo, bon bref. Et j'espère avoir plus de vues et de commentaires maintenant sur les vidéos. Je vous promets, si vous en avez marre du GTA, un peu de GTA, bah dites-moi le en commentaire, moi il n'y a pas de souci, moi je peux vous faire d'autres vidéos que GTA. Après c'est à vous de me dire, hein, je peux refaire du vidéo sur Assassin's Creed Syndicate, et j'ai du FIFA, voilà, c'est à vous de me dire. Il n'y a pas de souci, vous pouvez me poser des questions bien sûr. Et moi bah, comme ça je pourrai des vidéos. J'aimerais bien reprendre des vidéos. Qui je suis, je sais pas si vous vous rappelez cette vidéo là où je faisais qui je suis, en fait je me transformais en personnage de YouTube et en gros je comment ça s'appelle, il y avait des personnages comme Baisanka, Super Kona, Monsieur Kuchi, bref voilà, j'ai pas tout cité, mais rappelez-vous j'avais fait ça comme vidéo, donc si ça vous intéresse bah à vous de me dire en commentaire bien sûr, et bah moi ça me dérangera pas de faire ça. Et moi j'aimerais bien reprendre la petite série si ça vous intéresse, moi ça m'a super plu. J'ai vu ça vous a plu, des fois ça vous plaisait des vidéos comme ça. Donc pourquoi pas si je peux répondre. Si vous avez des défis à me proposer, bah, allez-y, désolé. Donc voilà, si vous avez plein de choses à me proposer, il ne faut pas avoir peur, vous pouvez laisser un petit commentaire. Bien sûr. Du coup voilà, j'essaierai de faire des vidéos avec la team. Donc je ferai une vidéo où je peux vous présenter la team. On va être 3. Brian. C'est toujours ok, et Marcus c'est toujours ok, ok avec moi, donc ça fait 3. Donc voilà, vous inquiétez pas, moi, je vous ferai une petite vidéo présentation de la team si ça vous intéresse. Et si vous voulez participer aux vidéos, bah venez rejoindre le crew qui est dans la description de la vidéo, et le crew d'abonnés, et comme ça on pourra faire des vidéos ensemble, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, je suis en train de faire un peu de YouTube non aussi. Je crois que j'allais pas. Je regarde un peu parce que. Ah. Ah non. Donc voilà, j'espère que ce mode basket vous a vraiment plu. Parce que c'est vraiment cool des vidéos comme ça, ça change un peu comme mode basket. Moi j'avais fait une seule fois mes odeurs de vidéos et je vous ai. Voilà, quand on l'a refait, on m'a dit ouais, on va faire un basket. Et je me suis dit un basket ça me dit quelque chose. Et du coup, bah voilà, je voulais le faire en vidéo. Et bah j'avais raison parce que c'est vraiment cool et vous avez kiffé mon lit. Si vous l'avez jamais fait, je vous conseille de le faire en vidéo. Donc c'est vraiment une activité assez cool et voilà. Si vous voulez gagner plus facilement des sous sur GTA, je vous conseille de faire des modes mission avec Martin ou des trucs comme ça si je ne me trompe pas. Attendez. Ouais c'est ça, c'est des. Je pouvais jouer une mission. Où vous pouvez récupérer de la cocaïne ou des conneries comme ça. Je vous conseille de faire ça parce que ça rapporte vraiment de thunes. Moi des fois sur GTA comme je sais pas quoi faire, je fais des missions comme ça et je récupère pas mal de thunes, donc là je garde un maximum de thunes pour m'acheter des nouvelles voitures et des maisons, donc c'est pour ça que je vous conseille. Après voilà, si vous avez des vidéos à me proposer, bah allez-y, c'est des bugs, astuces, comme d'habitude, qui je suis, parce que je reprends cette vidéo, donc du coup voilà. J'espère que cette vidéo va vraiment vous plaire, je n'oublie pas de laisser un petit j'aime, à laisser un max de commentaires bien sûr. Et on va se quitter sur. J'espère que cette vidéo vous allez aimer. Et moi je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Et bon game à tous. Allez, salut!